أرضنا الجميلة سجينة في قفص يحيطها الذئاب. أرضنا الجميلة سجينة في قفص يحيطها الذئاب. حديقة الظليلة حطمها الخطاب استوطنها الكلاب. حديقة الظليلة حطمها الخطاب استوطنها الكلاب. يا قدس يا مدينتي بدفتري وقلمي ونار بندقيتي سأكسر القفص. يا قدس يا مدينتي بدفتري وقلمي. C'est quoi ? C'est un territoire de 41 km de long et 9 km de large, dans lequel sont entassés près de 2 millions d'habitants. Alors ces habitants sont encerclés par un blocus inhumain qui dure depuis plus de 10 ans. Il faut savoir que les Palestiniens sont sous autorité israélienne. C'est Israël qui décide des entrées, des sorties, des importations, des exportations. C'est Israël qui décide de la liberté de circulation du peuple gazaoui. Donc, par exemple, s'il y a des Palestiniens chrétiens ou musulmans qui souhaiteraient accomplir le pèlerinage à Jérusalem, eh bien, ils ne peuvent pas y aller, ils ne peuvent pas se rendre parce qu'ils sont bloqués par le gouvernement israélien. Donc ça, c'est le quotidien que vivent les Gazaouis. C'est aussi Israël qui fournit la bande de Gaza en électricité. Donc ils ont 8 heures d'électricité par jour. Mais c'est souvent réduit à 2 ou 4 heures d'électricité par jour. Imaginez un peu 2 heures ou 4 heures d'électricité par jour. C'est invivable. Ça a des conséquences dramatiques sur le fonctionnement des hôpitaux. Ça a des conséquences sur le fonctionnement des usines, notamment les usines de désalinisation de l'eau. Il faut savoir qu'il y a 95% de l'eau à Gaza qui n'est pas potable. Donc c'est vraiment une situation qui est alarmante. Les entreprises sont obligées de cesser leur activité à cause du manque d'électricité. Donc vient le chômage. Donc Gaza a le taux de chômage le plus élevé au monde, avec 60% des jeunes qui sont sans emploi. Et ça ne s'arrête pas là, puisque Israël interdit des zones, même à l'intérieur de Gaza. C'est ce qu'on appelle les zones tampons. Donc ça concerne le secteur agricole et le secteur de la pêche. C'est-à-dire que les pêcheurs ne peuvent pas pêcher au-delà des limites qu'Israël leur a imposées. Et s'ils dépassent les limites imposées par Israël, eh bien, ils se font tuer. Il faut savoir aussi une chose importante, c'est que 80% de la population de la bande de Gaza dépend aujourd'hui d'une aide alimentaire internationale. Et 61% de cette population souffre d'insécurité alimentaire. Alors ce qui est grave, c'est que Israël limite la capacité des agences à délivrer cette aide humanitaire. Donc le but d'Israël, c'est d'asphyxier, d'étouffer le peuple gazaoui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont élu démocratiquement, le Hamas. C'est vraiment une situation qui devient de plus en plus grave. Même si l'ONU estime que Gaza sera invivable d'ici 2020, mais nous sommes en train de le voir actuellement. Donc nous, à Montpellier, on continue de soutenir le peuple palestinien, on continue de soutenir les Gazaouis, même si certains pensent que nos actions ici à Montpellier sont insignifiantes. Eh bien nous, les Palestiniens voient ce que nous faisons, voient nos actions, et ça les encourage, ça les motive à continuer leur combat. Et ça leur fait plaisir en fait de voir qu'il y a des gens à l'échelle internationale qui soutiennent leur lutte. Et nous, on lâche rien. C'est le maître mot de notre comité. Voilà. Merci. Voilà. Parce que la campagne BDS, donc c'est une campagne internationale qui a été lancée par la société civile palestinienne, donc en 2005.
Et cette campagne-là, donc c'est une campagne internationale, donc des comités BDS, comme ici à Montpellier, il en existe partout dans le monde. Voilà. On n'est pas un comité isolé, on ne soutient pas la Palestine qu'à Montpellier. Voilà, des comités BDS, il y en a vraiment partout dans le monde. Et en France, rien qu'en France, on peut compter une quarantaine même de comités à travers toute la France, donc dans toutes les plus grandes villes de France. Voilà. Et après, on peut retrouver des comités BDS en Espagne, en Italie, au Maroc, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Bon, voilà, vraiment partout dans le monde. Et pourquoi c'est important donc de rejoindre la campagne BDS et pourquoi c'est important de soutenir les Palestiniens à travers la campagne BDS? Donc, comme je l'ai dit déjà d'une première part, parce que la campagne BDS, c'est les Palestiniens, c'est eux qui l'ont inventée, c'est eux qui l'ont créée. Et parce que voilà, les Palestiniens, ils ont trois grandes revendications. La première, c'est la fin de la colonisation, donc ça englobe également la fin de ce que Zineb vient de dire, donc la fin du blocus à Gaza. La deuxième, c'est l'égalité des droits pour tous les Palestiniens qui vivent actuellement en Israël, parce qu'il y a un système d'apartheid, donc c'est la fin de l'apartheid. Et la troisième, c'est le droit à tous les réfugiés palestiniens donc, qui ont été expulsés de leur terre et de leur maison, donc le droit au retour donc, sur leur terre et dans leur maison. Voilà, donc des rassemblements pardon, comme on a fait aujourd'hui ici, place de la Comédie. Actuellement, donc vous savez, je pense tous, qu'il y a la grande marche du retour donc, à Gaza. Donc c'est des manifestations que les Palestiniens, que les Gazaouis font donc, depuis le 30 mars. Et donc nous on a décidé que tous les samedis, donc le lendemain de leur manifestation, parce que eux c'est tous les vendredis, on a décidé donc de les suivre et de les soutenir à travers des rassemblements. Donc la première qu'on a faite, on était parti en manifestation, voilà, on était une centaine de personnes, on a déambulé dans les rues de Montpellier. On en a profité également parce qu'il y a des campagnes de lancer, des campagnes de boycott de lancer, donc par exemple AXA, donc vous connaissez tous l'assureur AXA, voilà, qui collabore donc avec l'État d'Israël. Donc on en a profité pour faire une action devant les magasins AXA. Il y a également HP, voilà, l'entreprise HP, donc c'est Hewlett Packard. Donc voilà, c'est tout ce qui est matériaux informatiques, donc que ce soit les ordinateurs, les imprimantes. Voilà, il faut savoir que HP, il fournit tout le matériel informatique à l'armée israélienne. Donc c'est pourquoi on a lancé, et c'est pourquoi les Palestiniens ont lancé une campagne de boycott contre HP. Parce que voilà, HP participe pleinement et directement à l'oppression des Palestiniens. أقتل الذئاب وأزرع العلم في لحظة الميلاد وأقتل الذئاب وأزرع العلم في لحظة الميلاد لن ينبح الكلاب في مدن البطولة 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 يا قدس يا مدينتي بدفتري وقلمي ونار بندقيتي سأزرع العلم